Madame, monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver pour match après match. Comme tous les lundis sur Téléclub Zoom, nous allons passer en revue une partie de l'actualité football de la semaine écoulée. À ma droite, duo de consultants Téléclub avec Gabé Chapuzat, avec Alain Rochat. Bonsoir, messieurs. Et puis, sur ma gauche, bienvenue à Geoffrey Tréhant, demi de Neuchâtel Xamax. Bonsoir. DJ pour les intimes. Et enfin, Daniel Romano, content de l'avoir une fois à côté de moi, mais du bon côté de l'oreillette cette fois-ci. Alors, on a un petit peu feuilleté la presse nationale et internationale ces derniers jours. Vous imaginez bien que la Ligue des Champions a occupé une place de choix dans vos quotidiens. Regardez, par exemple, jeudi, l'équipe pouvait difficilement passer à côté de ce diable de Messi qui n'avait jamais marqué contre Liverpool. Il s'est bien rattrapé avec deux buts cette fois-ci. Le quotidien sportif qui se rattrape bien, lui aussi, en faisant enfin sa une de vendredi sur le mondial de foot féminin. Test, messieurs, qui est champion de Suisse chez les dames cette saison ? Zurich. Et deuxième, troisième. Allez, le match des Viennes ensuite s'est terminé ce week-end par un 2-2 entre Lugano et Servette en Allemagne. Kicker revient sur le nul de Dortmund à Brême. Quel gâchis quand on mène 2-0. Ça fait désormais 4 points d'avance pour le Bayern. Le titre semble joué. Par contre, en Italie, rien ne semble fait pour Quotidiano Sportivo qui relève qu'à 3 journées de la fin, l'Inter et Atalanta ont un pied en Ligue des Champions et que la Roma, Torino et Milan s'accrochent. Et attention, c'est maintenant que je vais me la péter, messieurs, puisque j'ai même été voir la presse tchèque pour vous dire que malgré ce titre trompeur, Eden Hazard n'a pas signé au Slavia Prague. Et on passe du Nedelni Sport à Gaulle qui, aux côtés de Messi, Salah et De Ligt, nous rappelle en couverture qu'Ibrahimovic vit toujours. En Belgique, Le Soir nous apprend que Cristiano Ronaldo est aussi le roi du marketing. Lancement samedi d'une BD qui lui est consacrée. Le super-héros se bat cette fois-ci contre des robots et des extraterrestres. Et vous savez quoi? Il gagne encore. Et on termine par la Suisse. 20 minutes nous a trouvé un autre super-héros il y a quelques jours. Un arbitre est allé faire pipi en plein match du championnat du Portugal. Et attention, mon gars, n'oublie pas la clé. Christian, enfin le matin, parle du FC Sion qui a fêté ses anciens ce week-end, les Brigueres, Luisier. Obradovic était à l'honneur. Christian Constantin qui fait sa fête aussi à Muratiakin, mais différemment. Le site web qui rappelle que c'est Peter Zeidler qui a connu le plus de succès depuis 2015 devant Tolo et Jakobacci. Yakin n'est pas sur le podium. Christian Constantin s'était accordé une nuit de réflexion concernant son entraîneur. Il s'en accorde une deuxième dans le matin d'aujourd'hui. Alors, le FC Sion n'a plus qu'un seul point d'avance sur Neuchâtel Xamax, qui est aujourd'hui la meilleure équipe du championnat, juste derrière Young Boys et Bâle. Gabé, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que Yakin va bientôt faire partie du cercle très ouvert des entraîneurs virés avant la fin de la saison? Ça fera un de plus du côté de Sion. Je crois que la liste est déjà assez énorme. Non, il est en pleine panique, notre ami président du côté de Martigny. Il est victime d'insomnie, il n'arrive plus à trouver le sommeil. Mais tout ça, c'est la faute de Xamax. Et puis là, je le sens un petit peu énervé. Il n'a pas bougé pendant 30 matchs. Après Bâle, il a commencé à critiquer les choix tactiques et surtout de coaching de l'entraîneur. La semaine passée, ses joueurs, c'était des canards boiteux. Et maintenant, il ne dort plus. Donc, il y a vraiment du souci du côté de Sion. Ça a changé, hein, ça a changé. Parce que la semaine dernière, si on se souvient bien, il a protégé Yakin pour cette histoire de mise au vert où Yakin n'avait pas été là. Et puis, finalement, hier, il est parti avant l'heure de jeu de tourbillon. Et puis là, il lui a mis un petit tacle. Hein. Geoffrey, vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire paniquer tout le Valais, là ? Ouais, je crois qu'on met un peu, pour parler poliment, le bazar dans la Ligue, puisqu'à un moment donné, Guetze et nous, on devait se battre pour les deux dernières places. Tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Hein. Je pense qu'il n'y a pas qu'en Valais où on panique en ce moment. Il doit y avoir aussi. Vrai. Mais enfin, sur un plan roman, tout le monde s'attendait à avoir quand même Sion devant Xamax. Et la tendance est en train tout doucement de s'inverser. Vous avez dit se battre, c'est un petit peu le mot-clé. On n'a pas le sentiment que les sessions s'est beaucoup battu hein, pour prendre 4-0 ce week-end. Pas que ce week-end. Là, ça fait quand même quelques semaines qu'on est très inquiet. Sion, c'est une équipe qui arrive à faire 3 défaites de suite, alors que sur les 5 matchs précédents, ils étaient invaincus. C'est des séries assez incroyables qu'on n'arrive pas forcément à expliquer. Ça manque de régularité. Et puis, effectivement, contrairement à Xamax, la différence, c'est qu'à Sion, on a l'impression que les joueurs jouent les uns avec les autres, mais plus les uns pour les autres, ce qui fait toute la différence avec Xamax. Un mot sur Yakin. On a l'impression que Constantin prépare sa lutte devant les prud'hommes hein, quand il dit qu'il le reproche aujourd'hui à l'entraîneur de ne pas avoir été présent la veille de deux matchs importants. Ça sent le gros conflit. Il a raison. Hein.
entre nous, c'est-à-dire à ce niveau-là, je trouve que c'est inadmissible et pour moi, c'est condamnable dans le sens que un entraîneur, là, il a, pour moi, il a fait une faute professionnelle grave. Oui. Tu n'as pas le droit de laisser ton équipe, l'entraîneur paye une mise au vert, en déplacement, l'équipe, on est tous ensemble. Mais je ne comprends pas. Et je pense que ça risque de le payer très cher. En tout cas, il est très fâché. Mais je crois qu'on est assez d'accord que finalement, ce FC Sion ne se bat pas assez. Est-ce que, qualitativement parlant, le FC Sion actuel peut quand même éviter le barrage sans trop souffrir, disons? Moi, je pense qu'effectivement, sur les trois derniers matchs où il ne marque pas un but, c'est inquiétant. Par contre, je me fais moins de soucis pour Sion que par exemple pour Saint-Gall ou pour Zurich. Parce que de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de qualité aussi individuelle à Sion au niveau du contingent qu'à Saint-Gall. Alors Saint-Gall, peut-être qu'ils ont l'avantage du stade, du public, mais Zurich doit faire vraiment très attention parce que ce qu'il montre aussi, c'est pauvre ces derniers temps. – C'est quand même rigolo ça, du jour au lendemain, on vous oublie un petit peu dans les pronostics pour devenir barragiste, on parle plus de Sion ou de Saint-Gall, finalement ça doit vous enlever une certaine pression, sans doute que la relégation qui est quasi faite hein, de Grasshopper vous enlève une certaine pression, vous jouez encore plus libéré, parce que finalement vous êtes barragiste et même si vous ne restez pas à l'issue dans l'élite, à l'issue des barrages, finalement vous aurez fait ce qu'il fallait pour… Vous avez au moins évité la relégation directe, c'était le premier objectif. Oui, c'était le premier objectif, c'est donc vrai. Donc il y a moins de pression aujourd'hui. Mais Stéphane Danchaud l'a déjà dit, hein, les objectifs, ils sont aussi faits pour être changés. Et aujourd'hui, il n'y a pas de relâchement parce qu'on préfère tous ne pas passer par le barrage et puis se sauver directement. Aujourd'hui, c'est clairement possible. Tout le monde peut se sauver et tout le monde est menacé. Donc nous aussi, et la pression, elle est toujours là. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que Xamax joue un peu maintenant comme des machines. Ils sont calibrés, ils ont leur objectif, ils savent où ils doivent aller. C'est comme si on leur avait un peu enlevé les sentiments. C'est des machines avec cet objectif, cette mission commando, ce qu'on ne voit pas à Sion. Par exemple, à Sion, on a vraiment des… Ah non, c'est normal, parce qu'ils ont tellement eu l'impression que c'était déjà fait derrière, voilà. Et qu'on allait tous se battre, qu'il allait y avoir 5-6 équipes à se battre pour les places européennes. Le fait que Xamax ait resserré tout ça, cette place de barragiste, elle fait vraiment peur, parce qu'un barrage contre Lausanne ou Aro, c'est pas gagné d'avance, surtout dans une forme où on a une spirale qui s'est installée, où on enchaîne. Contrairement à Aro, par exemple, à qui tout réussit en ce moment en Challenge League. Bon, peut-être que... Je peux dire une connerie. Vous c'est pas la première, on dirait. Non, on est habitué. Finalement, vous n'êtes pas si loin de l'Europe. Oui, mais ça, à Noël, je veux dire, c'était assez inconcevable. Donc, non, mais c'est juste un scénario incroyable. C'est grâce à Neuchâtel qu'on a un tel débat qui est absolument magnifique, avec une fin de championnat indécise, palpitante. Nous, on est tous contents. Mais il faut dire merci aussi à la Ligue qui était d'accord avec l'accord des clubs. C'était une idée que j'ai trouvée très intéressante. Les barrages, c'est absolument formidable. Tant en Challenge League, où on voit la lutte entre Lausanne et Aro, et puis à l'étage supérieur, où on voit 7 équipes encore concernées à 4 matchs de la fin. C'est absolument... Il n'y a plus de remplissage cette année, et nous, ça nous... Mais puisque vous parlez de ce barrage, moi, j'ai assez envie de dire qu'on a l'impression que Xamax était calibré pour cette 9e place de barragiste, et je pense que si Xamax finit 9e, il aura un ascendant psychologique, parce que dans sa tête, Xamax était déjà... disons, calibré pour aller à cette 9e place, pour jouer ces deux barrages, ce match aller et ce match retour. Et il y aurait un ascendant psychologique que peut-être Saint-Gall, que peut-être Zurich n'aurait pas forcément, parce que là, ce serait un peu préparé. Une surprise de dernier moment. Non, mais c'était le principal objectif. Hein, je vois. Au départ du deuxième tour, tu es dernier avec 13 points. Le barragiste a 4 points supplémentaires qui était Getse. Jamais tu as pensé que tu allais. Je crois que. Je ne vais pas me tromper, le leitmotiv et puis le message du vestiaire, on ne veut surtout pas couler directement, donc on va essayer de s'atteler à décrocher les barrages. Puis aujourd'hui, par miracle,
entre guillemets, miracle. Hein. Bah, écoutez, moi je crois que je vais conclure par la déclaration du jour. C'est une déclaration magnifique de Christian Constantin. Il a dit, il faut arrêter de se dire qu'on est beau si on n'est pas capable de soulever une gonzesse. Voilà les propos du président valaisan, c'est dans Le Matin. C'est du Christian. Le Matin, c'est du Christian. C'est Le Matin.ch de cet après-midi. Bon, si vous désirez également réagir à nos propos ou aux propos de Christian Constantin, vous pouvez bien entendu le faire. Hashtag TCMAM sur Twitter ou bien sur notre site Facebook Téléclub Sport Romandie. Alors, il n'y a pas que le FC Sion qui nous fait un peu souci aujourd'hui. Il y a aussi le Lausanne Sport. Servette sera peut-être promu vendredi devant son public en assurant le match nul face à des Lausannois qui, du coup, pourraient également perdre leur deuxième place de barragiste au profit de Haro. Or, on le sait, justement, l'objectif des Vaudois est de monter dans l'élite en passant désormais par ces fameux barrages. On en parle immédiatement. Alors en Challenge League, Haro était lanterne rouge après 11 journées et seulement 4 points à son compteur, soit 16 points de retard sur Lausanne, qui était deuxième à un point du leader, qui était le FC Ville à l'époque. Nous voici à 4 journées de la fin de ce championnat et l'écart a fondu de 16 à 2 points. Ma question, le Lausanne Sport va-t-il atteindre les barrages, oui ou non, Daniel? Oh, la question. alors, moi, je suis particulièrement inquiet, pas parce que Lausanne manque d'enthousiasme, pas parce que j'ai jamais vu cette saison un Lausanne qui m'a vraiment plu au niveau du jeu, au niveau de la jouerie, au niveau du caractère, mais presque plus au niveau du calendrier, parce que je vois que Haro va jouer contre les quatre derniers du championnat sur les quatre dernières journées. Alors certes, c'est des équipes qui vont se battre contre la relégation, mais il y aurait le risque de jouer contre Chiasso, qui serait éventuellement déjà certain d'être relégué. Et puis Lausanne joue Servette vendredi, Lausanne va jouer Schaffhouse, Lausanne doit jouer Kriens, Lausanne doit jouer Vaduz, et puis c'est plus... Je me dis, Haro va faire 12 points. Dans ma tête, Haro va faire 12 points. Et je ne sais pas si Lausanne est capable d'en faire autant. Est-ce que quelqu'un d'autre voit le Lausanne Sport crever au poteau? Si on se fie à la forme du moment, oui, ça fait peur. On a quand même Haro qui vient de battre coup sur coup le leader et le deuxième, de manière quand même assez convaincante. Donc, encore une fois, l'avantage psychologique, il est là. Maintenant, il faudra être vraiment très fort pour réussir à bousculer une équipe comme ça dans une telle euphorie. Et puis au contraire, vous parlez d'Haro, mais Lausanne a perdu contre le leader et contre le troisième. Là, on voit les images. Bon, c'est à chaque fois le même scénario. C'est les deux matchs clés pratiquement de la saison. Et puis on a l'impression qu'ils n'ont pas retenu les leçons de ce match à la Pontaise contre Servette. Je m'attendais à autre chose. On savait qu'il allait neiger. Alors je sais pas si Lausanne doit aller faire sa préparation hivernale. Contini dit que son équipe est la plus pénalisée par la neige. Oui, mais d'accord, mais la neige c'est pour les deux équipes après, à chaque fois. On ira jouer encore plus haut. Alors il faut qu'ils aillent en Sibérie ou au pôle sud pour leur préparation hivernale, quoi. Parce que à ce moment-là, je veux dire, la neige, elle a pas décidé de tomber 5 minutes avant le début du match. On le savait. Puis moi, c'est ça qui me dérange un petit peu. C'est quand même la poisse parce que ça tombe deux fois. Sur Lausanne et deux fois dans les matchs importants. Mais si, excusez-moi. Ouais, pas de problème. Si je lis un peu entre les lignes, moi j'ai quand même l'impression que vous dites, Daniel, et là peut-être qu'il y aura confirmation apportée par Gabet, c'est que Lausanne ne produit pas le football qu'il devrait, alors qu'il a pourtant les caractéristiques d'une équipe assez joueuse. Oh non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que là on est en train de voir une équipe de Lausanne depuis le début de la saison. Qui ne joue pas. Mais qui a les caractéristiques pour jouer. Il y a les joueurs pour ça, non? Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu d'alchimie. Il y a des joueurs sur le terrain, mais j'ai l'impression que Lausanne n'a pas encore commencé sa saison. Bon, je suis peut-être un peu dur. J'étais à la Pontaise contre Winterthur et j'ai vraiment aimé le match de Lausanne. Ils ont... avec un petit couac quand même, c'est l'égalisation qu'ils ont réussi à accorder. Mais ils ont réussi à bien réagir derrière. Mais dans l'ensemble, c'était quand même une prestation aboutie avant d'aller à Haro. Et malheureusement, Haro, l'équipe en forme. Et c'est difficile, dans les conditions qu'on connaît, d'aller bousculer ce Haro-là en ce moment. Je vous trouve très sévère avec Lausanne. C'est vrai que très longtemps, le volume de jeu, surtout offensivement, il était, je ne veux pas dire misérable, mais disons décevant. Mais j'ai trouvé que depuis la défaite de Servette,
Lausanne a enchaîné 12 points. Mm-hmm. Ils ont marqué 12 goals, un seul encaissé. Et puis Lausanne a pris un petit coup sur la tête, parce que je ne veux pas dire qu'il ne faut jamais attendre un coup de main des autres, mais je pense que dans leur tête, ils pensaient que Servette allait faire l'affaire en battant Arro. Et je pense que ça, c'était le couac. Parce qu'avec, si Arro n'avait pas fait les 3 points à Genève, Lausanne aurait pu se permettre d'Arro en ayant toujours la sécurité. Mais aujourd'hui, on croit que tout est foutu. Moi, je dis non. Parce que je regarde un petit peu le calendrier. Schaffhouse, Kriens, Van Dutz, pour moi, surtout que Kiasso va perdre ce week-end à la maison contre Rapperswil, donc tout sera liquidé pour la relégation. Donc je pense quand même Lausanne est capable d'aller faire un point à Servette et de gagner les 3 derniers matchs avec 10 points. Ils ont une meilleure différence de goal. Moi, je ne vois pas aussi loin. Ça fait sourire Geoffrey. Non, je regarde parce que moi, c'est vrai qu'en tant qu'acteur. Avec cette possibilité de barrage contre Arro ou Lausanne, c'est vrai que je peux pas trop me mouiller sur les pronostics et tout ça, donc ouais, je vous écoute attentivement. Juste quand même. Ça serait plus dangereux contre Lausanne ou contre Arro. Le derby roman par excellence, c'est plus dangereux. D'un côté il y a le derby roman, de l'autre côté il y a le match retour au Brugliefeld. Enfin, il y a chaque confrontation aura ses difficultés, donc c'est difficile de choisir. Mis à part ça, on n'est pas en train de dire qu'on n'y croit pas. Moi, je vois Lausanne est toujours deuxième, Lausanne est toujours devant, et Lausanne a son destin entre ses mains. Sauf que moi, je dois dire que je m'attendais quand même à mieux avec ce qu'on nous avait annoncé en début de saison. Je m'attendais à voir Lausanne finir premier avec une équipe construite pour aller en Super League et rester en Super League longtemps. Donc c'est là où je suis déçu. Après, sur la sévérité des propos, je m'estime pas forcément. Les ambitions avaient été claires au départ. Voilà. Lausanne avait dit nous, on veut monter directement, on veut pas passer les barrages. Quand ils ont 7 points de retard à la pause, à Noël, je relis les journaux et puis les interviews de Pablo et de Contini. Nous, on y croit toujours, on va finir premier. Non, aujourd'hui, t'as 11 points. Je pense que de ce côté-là, ça risque d'être dur à encaisser. Des échos qui me reviennent de la Pontaise. On me dit que Lausanne, à l'entraînement, ça joue pas mal, c'est bien, ouais. Et on n'arrive pas à reproduire ça sur le terrain. Alors là, je confirme. Vous l'expliquez comment, ça aux entraînements, un discours qui ne passe plus. Ça y est, on va de nouveau dire que je cherche Noise aux entraînements. Non, c'est deux mondes différents. À l'entraînement, il n'y a pas le même engagement, il n'y a pas un vrai adversaire en face et tout. Non, c'est trompe-œil. Est-ce qu'il y a une personnalité dans cette équipe qui n'est ni vraiment offensive, ni vraiment défensive, quoi, qui se cherche encore un peu ? Moi, je n'ai pas trouvé, j'arrive pas. Si vous enlevez, vous mettez Lausanne sur le terrain, vous enlevez les numéros, vous mettez des sacs poubelles sur la tête des joueurs, vous ne savez pas que c'est Lausanne qui joue. Vous voyez, Servette, vous faites la même chose. Vous savez, ça, c'est Servette. On peut faire ça peut-être avec Vaduz, on peut faire ça avec Arro. Et Lausanne, je trouve qu'il manque encore un petit peu d'identité. Tant mieux, il reste encore 4 matchs. On peut lancer la saison sur les 4 derniers matchs. Puis j'aimerais juste dire une petite chose. Lausanne ferait bien d'aller en barrage et d'essayer de monter en Super League cette saison, parce que vous avez Götze qui descend probablement la saison prochaine. Le 9e, s'il descend, vous vous rendez compte le nombre d'années qu'on risque de devoir attendre pour pouvoir remonter avec des équipes comme peut-être Götze. Le format du championnat qui le veut, c'est très, très cruel. Mais ça quand peut même durer longtemps mais c'est avant vrai que de ça remonter. Arro, qui n'était jamais tombé, je sais pas, ça fait déjà plusieurs années qu'ils essaient de remonter. C'est vraiment pas facile. Donc dès que l'occasion se présente. Et je trouve que Neuchâtel, quand on les voit jouer… – Et Zurich l'année d'avant, ils avaient fait… – Exactement, ils ont compris, ils savaient ce qu'il fallait faire dans ce championnat quand même très compliqué. Et Lausanne, pour l'instant… – Pour moi, ils n'ont pas mis une vraie équipe qui pouvait vraiment, comme on dit, se balader au niveau comme Zurich et Xamask les années précédentes. C'est une équipe moyenne qui a déçu, il faut dire la vérité, qui est en reprise et qui est en grande difficulté. Mais moi... Il y a eu même des mouvements de joueurs en cours de saison, ils ont quand même perdu de la substance. Tout à fait. Bien sûr. Mais moi, ce qui serait extraordinaire, c'était le vœu quand on a fait la mission avant Noël. On était venu sur l'idée, pourquoi pas 4 équipes romandes en Super League la saison prochaine. Donc, c'est encore possible dans le sens qu'il faut, un, que Xamask
éviter barrages, et puis que Lausanne fasse des barrages et qui sort du RIC, ou Saint-Gall. Ou... Mais un sondage de nos confrères du Blick donne aujourd'hui Zurich favori pour disputer les barrages. Ça vous paraît plausible, ça? Les deux clubs zurichois, ah, ça serait quand même désordre. Hein. Ça fait quand même maintenant plusieurs semaines que Ludovic Magnin n'arrive pas à créer quelque chose, à mettre un peu d'enthousiasme dans cette équipe. Et puis, elle est aussi dans une spirale assez négative. Donc, moi, je me fais aussi du souci si je suis fan de Zurich, ça, c'est clair. Avec la différence, c'est que Zurich a déjà vécu ça il y a quelques années en arrière. Donc, ils sont prévenus. Et je les vois pas forcément terminer à la 9e place des barragistes. Ouais, vous parlez de manière... Parlons encore. Est-ce qu'aujourd'hui, à Lausanne, Giorgio Contini est un sujet qui fâche? En tout cas, dans les tribunes de la Pontaise, oui, tout le monde est déçu. Ils sont en train de faire des paris. Combien de temps il y a encore assez? C'est sûr, c'est ce que j'ai un petit peu entendu. Et c'est le vœu des supporters, c'est que s'ils ratent les barrages, c'est que continue. J'aime pas vraiment parler. J'ai été entraîneur, c'est toujours difficile. Mais ils ont dit, pour qu'ils prennent ses valises et puis qu'ils retournent d'où il est venu. Voilà. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a quand même... C'est quand même un homme qui connaît justement ce championnat-là. Donc, il a mis une équipe quand même assez solide pour affronter ces matchs-là, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'être archi-dominateur pour s'imposer dans ces matchs-là. Il faut juste être combatif, et je pense que Contini, c'est quand même cette personnalité-là qui veut... le rôle qu'il veut se donner. Maintenant, c'est vrai que moi, c'est les matchs nuls qui m'ont vraiment dérangé tout au long. C'est une équipe qui, justement, elle un peu trop timorée. Elle n'a jamais pris de risque. Elle n'est pas allée dans les matchs en disant bah, « Là, on va vraiment faire des points. Ouais. » Même à l'extérieur, à Schaffhouse et 14 et à matchs nuls, hein, on va le préciser. 14 matchs nuls en 32 matchs. C'est pas possible. C'est à la victoire à 3 points, Aro qui a peut-être 8 défaites. 6 matchs nuls. Oui, mais les défaites, c'est 5 ou 6 défaites de plus que Lausanne. Ouais. Se retrouve encore en train de les talonner. Et Lausanne s'est mis en danger rien que parce qu'ils ont... Moi, c'est le seul reproche que je peux leur faire. Après, il est tout à fait capable d'aller en barrage et de faire deux matchs nuls. Deux matchs nuls avec le but à l'extérieur. Et puis ça passe. Et puis à la fin... Mais il faut y arriver à ce barrage-là. Et c'est là que... Pour moi, c'est ça le plus dur. Ils ont raté le coche à plusieurs reprises pour se mettre un petit coussin de sécurité. Et là, ils tremblent parce que... Mais c'est la faute à Servette. Ils avaient qu'à battre Aro. Et puis là, les équipes romandes ont été bien placées. Et Servette va se faire un plaisir de taper Lausanne, parce que je pense que c'est sympa de fêter sa promotion dans le cadre d'un derby lémanique. Ça va être sensationnel. Ouais. Juste pour en revenir à Servette, enfin je veux dire, je crois que Servette a quand même sacrément dominé. Bien sûr. Il y a quand même une belle part de réussite pour Aro, donc je pense pas qu'on puisse leur imputer une quelconque faute. Non, mais c'est un constat. Hein. C'est vrai que ces points font la différence aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, le Lausanne Sport devrait théoriquement se retrouver un petit peu plus haut dans le classement, ce qui était le cas en début de championnat. Caracol est même devant Servette. Est-ce que finalement, on a pris les choses un petit peu trop à la légère? Moi, je ne crois pas qu'on ait pris les choses à la légère. Bon, on a dit et redit hein, ce premier derby où Servette avait perdu, mais avait été le vainqueur moral. Et c'est là que quelque chose s'est passé. Mais il y a aussi le recrutement qui a fait la différence. Il y a des joueurs, tous les joueurs qui sont arrivés à Servette se sont greffés à cette équipe de manière parfaite. Même Iapichino qui arrive en janvier, ça passe. Makopi qui passe de Lausanne à Servette, ça passe. Enfin, tous les joueurs qui sont arrivés, ça a fonctionné. Et puis à Lausanne, ben, ça n'a pas pris. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux profils et ça n'a juste pas fonctionné. Je m'adresse à d'anciens Lausannois. Il y a une culture de la gagne à la Pontaise. C'est une question un peu en bateau, mais c'est le seul club que vous n'avez pas fréquenté, des clubs romands impliqués. Vous avez joué à Servette, vous jouez à Xamax, vous avez joué à Sion. Mm-hmm. Bon, vous ne connaissez pas bien Lausanne, mais on sent qu'il y a cette culture de la gagne que je ne retrouve pas aujourd'hui à Lausanne, dans le Lausanne actuel. Oui, bon, mais c'est difficile à Lausanne, vous avez peu de spectateurs, vous avez un stade pas sympa parce qu'il y a cette piste qui vous... Ça va changer? Ben oui, mais bon, je vous rappelle qu'ils ont une année de travaux, peut-être qu'ils ont bien fait d'attendre une année, comme ça Lausanne pourra... Bon, on doit décaler d'une année. Non, Lausanne, la culture de la gagne actuellement, je la sens pas. On l'a senti aussi l'année passée quand l'équipe a coulé. Je trouvais qu'il y a eu peu d'implications. Et puis, la chute était progressive, mais inéluctable. Donc là,
je sens le Lausannois, qui ne va pas beaucoup au stade, mais qui s'intéresse beaucoup au foot, surtout, surtout dans les bistrots et dans les journaux, est vraiment déçu des performances de son équipe. Donc, ils se font beaucoup de soucis. Mais au stade aussi, là, des fois, quand on va à la Pontaise, et on a l'impression qu'il y a des spectateurs, ils vont là-bas juste pour vider leur sac. Et puis, c'est des fois, voilà, la frustration. Et puis, ils ne pardonnent rien. Ça, c'est le supporter déçu. Il y a des supporters, mais ils sont déçus. À Lausanne, des fois, je trouve qu'à Lausanne, des fois, on est très, très exigeant. Et parfois même injuste avec cette équipe lausannoise. Ma foi, parfois tu rates ton match, parfois tu vas au job et puis t'as fait une mauvaise journée et puis t'as personne qui vient te siffler et puis te crier dessus et puis te taper dessus. Et puis après, le match d'après, tu gagnes, même à l'arrache, sur un pénalty à la 93e. Et puis le public est de nouveau là, compact, content. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui me dérange parfois à Lausanne. Si Lausanne, ça sera la dernière question sur le sujet, si Lausanne rate les barrages, c'est plausible. Qu'est-ce qui va se passer? Contini va sauter. Les autres, je ne sais pas. Que va faire Ineos? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y aura une grosse remise en question, puis peut-être un ménage qui sera fait. Parce que moi, je trouve que Ineos n'est pas beaucoup intervenu cette saison. Et je m'attends peut-être à quelques coups de balai. Ouais. Merci Daniel Romano, observateur très attentif de l'actualité du Lausanne Sport, tout comme Laurent Antonioli d'ailleurs. Voilà, merci messieurs pour ce premier thème. On va se quitter quelques instants et on va se retrouver pour ouvrir notre chapitre Champions League. À tout de suite. La finale de la Ligue des Champions est à portée de main. Il ne reste plus que 90 minutes pour valider son ticket. Tout va se décider mardi et mercredi avec les demi-finales retour. Barcelone se déplace à Liverpool pour un duel qui s'annonce haletant. Tottenham ira pour sa part défier l'Ajax. Les deux formations devront tout donner pour atteindre la finale. Vivez les matchs retour de ces demi-finales en direct sur Téléclub Sport. Semble sur le point de s'écrouler et que tout semble perdu. Le moment est venu de croire à l'impossible. Trampoline-moi ! De chercher les forces cachées au plus profond de soi. De s'accrocher et de serrer les dents. En 1986, à Tchernobyl, des hommes ordinaires faisaient face à une incroyable catastrophe. Une série inédite raconte leur destin exceptionnel. Comme on se retrouve là ! Quand la réalité dépasse la fiction. Sur Téléclub. Championnat du monde de hockey sur glace, c'est en direct sur Téléclub. Quatre équipes romandes. Ça va, on peut vous interrompre, Gabel Chapuisat, de retour sur le plateau de match après match avec donc Gabel Chapuisat, vous l'aurez compris, avec Alain Rocha à ma gauche, Geoffrey Tréhant et Daniel Romano. Je vous rappelle notre hashtag TCMAM ou alors possibilité également de communiquer avec nous via notre page Facebook Téléclub Sport Romandie. Il est grand temps d'aborder la partie internationale de ce match après match. C'est le moment favori de notre coupeur de citron. Hey, cette semaine, il y avait les matchs aller en demi-finale de Ligue des Champions.
L'Ajax Amsterdam s'est imposé à Londres face à Tottenham. Et il y a un truc de bizarre. Maintenant qu'on a vu que les joueurs de l'Ajax pouvaient gagner sans nous régaler, on se dit qu'ils peuvent aller au bout. C'est quand même insensé. Et oui, c'est ça le football moderne. Mercredi, il y a eu le match entre Barcelone et Liverpool. Entre Messi et Liverpool. Les Anglais ont plutôt bien joué, mais en face, il y avait le Chuck Norris du foot. C'est pas Messi qui amortit la balle, c'est la balle qui vient s'amortir sur Messi. Quand il accélère, les défenseurs chopent la crève. Le plongeon d'Alisson sur son coup franc était parfait, mais sa frappe était magique. Juste après ce but, il y a Liverpool qui ont frappé sur le montant. Et c'est dommage parce que franchement, au 3-0, l'addition est un peu salée. En tant que grand fan de Liverpool, je pourrais dire que Messi m'a dégoûté du football. Mais même pas. Il nous a régalé. Quand Messi veut gagner un match, ben, il gagne. Et visiblement, il veut gagner la Champions League cette année. Et je doute que quelqu'un puisse l'arrêter. Et dans ce match, il s'est passé un truc de fou. Comment on peut avoir ces deux actions dans le même match? Messi et Dembélé, c'est un peu comme si Jules faisait un duo avec Céline Dion. Ce week-end, on a appris que le Bayern Munich avait décidé de ne pas prolonger Franck Ribéry. Après 12 ans au sein du club, le Français devra faire ses valises à la fin juin. Très ému de ne pas pouvoir continuer l'aventure avec mon équipe. Franchement, je pense que j'étais très bien dans ce club. Après, toutes les fins ont des bonnes choses. Faut partir de l'avant. Et même si je ne serai plus au Bayern Munich la prochaine saison... loin du cœur, près des yeux, hein. Et je leur souhaite beaucoup de titres. Et malheureusement pour moi, la roue tourne à tourner, alors tchuss, bisbald. Alors pour vous, est-ce que quelqu'un peut arrêter Barcelone, Messi, en Ligue des Champions? Eh bien, on va tout de suite répondre à la question de Jérémy Croza. La Champions League, c'est un gros chapitre de cette émission. Bon, soyons francs, hein, regardez les résultats des matchs à Lyon, ça danse quand même doucement vers une finale, à mon sens, entre Barcelone et l'Ajax. Et les Catalans se profilent quand même clairement comme les favoris de la compétition, quel que soit l'adversaire. Alors Alain, Barcelone, 3-0 à l'aller, est-ce que c'est un coussin suffisant? Je pense qu'ils l'ont appris, ils ont appris que c'est possible de renverser des scores encore plus défavorables. Mais c'est vrai que je trouve quand même vraiment cruel pour Liverpool. Alors, ça enlève rien à la qualité du Barcelone de ce match-là. Mais ça me fait penser un peu à Dortmund contre Tottenham, où j'avais trouvé quand même que Dortmund avait livré une bonne partie pour finalement perdre 3-0. À remonter 3-0 quand même, c'est pas insurmontable, mais ça va être très 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 difficile. Là, il y a un énorme problème. Il y a deux trucs qui m'ont énervé dans ce match. C'est le raté de Salah en fin de match à 3 mètres du but. Là, il la met dedans. Et puis 6 mètres. Allez, ouais. 6 mètres. Mais même quand on est Mohamed Salah à 10 mètres, il faut la mettre au fond, celle-ci. Et là, le match, il est relancé. Le match retour, il est complètement relancé. Puis après, l'autre chose qui m'a énervé, bah là, on vient de le voir, c'est Dembélé. Mais c'est une faute professionnelle. Tu rentres à la 90e minute, tu as deux énormes occasions. Tu peux mettre le quatrième, tu pars à 3 contre 2. Et puis tu fais un cadeau à Alisson comme ça. Moi, je vois la réaction de Messi à la fin. Je pense que dans sa tête, il l'a insulté, mais 100 000 fois. On n'a pas le droit de rater un truc comme ça. Je ne suis pas entièrement d'accord avec ça. Je pense que... Il est sur mon mais mauvais. Dembélé, il rentre. Il est sur son mauvais pied. Mais encore une fois, 150 millions pour un type qui, avec son mauvais pied, ne peut pas la mettre au fond. Mais moi, je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de les défendre. Le type, il rentre à la 90e minute, il doit faire comprendre à son entraîneur qu'il s'est trompé. Il doit dire, écoute mon gars, regarde-moi ce que je sais faire. Je vais te montrer que je rentre à la 90e, je peux te mettre un doublé. Au moins un des deux, s'il vous plaît. Mais Valverde, il est content. Il n'aura pas besoin de lui faire de reproches. Alors, il s'est blessé clair. Ce week-end, donc il ne va pas rentrer demain. Chose, il est tout le temps blessé. Il est tout le temps blessé. Non, mais le problème, on sait que c'est un talentueux, mais c'est...
C'est une tronche, il fait n'importe quoi, on le sait, ils ont dû le recadrer, ils ont quelques soucis de comportement avec ce jeune homme. Moi, ce que je retiens quand même de ce match aller, c'est qu'effectivement, Liverpool n'a pas fait un mauvais match. Il y a eu 5 tirs cadrés à 4 en faveur de Barcelone, mais 3 à 0. C'est la démonstration que Liverpool manque de percussion offensive, le raté de Salah, entre autres. Manque de percussion, vous avez vu le match. Il y a une grande part d'expérience dans ces matchs-là, Suarez, Messi, ils sont concentrés pour avoir une ou deux occasions et puis la mettre au fond. Après, il y a le génie. C'est son premier but européen de cette saison. C'est pas un hasard. Je veux dire, il était peut-être. Le travail qu'il fait. Je veux dire, il fait un boulot énorme. Et puis là, la concentration, le petit brin de concentration en plus, d'implication, en demi-finale, il est là. Et puis il fait la diff. Hein. C'est les grands qui savent se lever au bon moment. Donc. En attendant que Salah, Firmino deviennent des très très grands, ils passent par des échecs comme ce premier match aller contre Barcelone, parce qu'ils avaient vraiment, ils ont fait la performance à Barcelone, parce que c'est pas facile d'aller sortir cette performance-là au Nou Camp. Donc, mais on apprend. Et Dembélé, ce qu'il rate, je pense qu'au contact de Suarez, de Messi, tout d'un coup, à 2-0 à Liverpool, pour Liverpool, il peut rentrer et mettre le but, finalement, qui est bien plus important que peut-être le 4-0 de la semaine passée. Il est blessé, je ne sais pas, encore une fois. Après, il y a aussi, vous dites l'expérience. Il ne faut pas oublier, le Barça, 3-0 contre United, 3-0 contre Liverpool. Ils ont gagné 1-0 à Old Trafford. Ça fait des lustres qui ne prennent pas de but en Champions League. C'est juste moi qui suis Barcelone, parce que là, j'ai rien dit jusqu'à maintenant, mais je ne veux pas remettre le couteau dans la plaie, mais je vous rappelle que l'année passée, contre Rome, ils ont gagné 4-1 à la maison, ils ont perdu 3-0 à Rome, c'est à la surprise générale. Mais juste dire un mot sur Liverpool. Moi, je les ai trouvés sensationnels. Vraiment, ils ont fait un match impeccable. Et moi, j'estimais, au bout d'un moment, je ne suis pas le seul, c'était un salaire royal pour Barcelone. Ouais. Si tu enlèves, mais s'il n'y a pas Messi, croyez-moi que c'est un autre match. Ils ont été en difficulté, mais justement, vous parlez de Messi. On va parler de Liverpool dans un moment, mais Messi, donc meilleur buteur de la compétition, 12 buts, il a marqué 2 buts donc, à ce stade des demi-finales au Nou Camp. En quart de finale, il fait un doublé contre Manchester United. En huitième de finale, il fait un doublé contre l'Olympique Lyonnais. Finalement, effectivement, Jérémy Croza avait peut-être un peu raison, c'est le FC Messi. Ça fait 10 saisons qu'il marque au minimum 40 buts par saison, Messi. Donc, au bout d'un moment. On est encore surpris. Voilà, au bout d'un moment. Il est génial. Je suis surpris, c'est qu'on ne trouve pas la solution. On peut l'arrêter, c'est le genre de joueur qu'on arrête ou pas ? Il est au-dessus du lot. Non, mais sur ce match-là, j'ai trouvé Liverpool, tactiquement, ils ont fait le match parfait. Ils ont joué très haut dans le terrain, ils les ont pressés, ils ont laissé très peu d'espace entre les lignes, justement pour pas laisser, parce qu'on sait que Messi il aime bien se mettre dans ces intervalles. Et puis j'ai trouvé que Fabinho a fait un excellent match contre lui. Et, parce que je vous rappelle que dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, pendant une demi-heure en deuxième mi-temps, moi j'ai vu que Liverpool, et Messi je l'ai pas vu. Messi, tout d'un coup on sait qu'il a pas besoin de 50 000 occasions pour faire tourner un match. Et ben oui. C'est marrant, vous avez vu Fabinho, moi j'ai vu Vidal. Je trouve que on a beaucoup parlé de Messi, mais Vidal dans ce match-là il a été extraordinaire. Le travail qu'il a accompli au milieu, Busquets, on n'en parle même plus, mais Vidal sur ce match, vous savez, Vidal, c'est un joueur qui a voulu partir au mois de septembre, octobre, il voulait partir, il en avait marre, il n'avait pas de place, puis Valverde, il en a fait son troisième joueur le plus utilisé, il a réussi à le mettre en confiance. Vidal, il a un sacré caractère, c'est vraiment une tête brûlée, et Valverde, là aussi, c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Valverde, c'est un type qui va réussir probablement à faire comme Guardiola et comme Enrique le triplé. Et c'était en 2009, en 2015, et là, il va peut-être réussir à faire un truc assez extraordinaire. Et on n'en parle pas assez souvent, moi, je trouve, d'Ernesto Valverde. C'est un type qui travaille un petit peu, qui est un petit peu discretos comme ça, mais je trouve qu'il est en train de devenir très, très important dans la hiérarchie des entraîneurs. Pour boucler le chapitre Messi, qui est quand même le fer de lance principal de cette équipe de Barcelone, si je vous dis que c'est un joueur hors collectif, vous êtes d'accord avec moi ? Absolument pas. Parce que c'est un joueur dont une des caractéristiques, c'est de rendre meilleurs les autres. On le voit avec les statistiques, que ce soit les Suarez, Neymar, enfin tous ceux qui jouent à côté de lui, ils ont des statistiques sensationnelles, meilleures presque que quand ces joueurs-là ne sont pas à côté de lui. Et sublimer les autres,
c'est une des plus belles choses du foot. Et quand je dis hors collectif, je veux dire par là que quelles que soient les circonstances, une accélération de Messi transforme complètement un match. Oh bah ça, on le sait, hein, ça va, comme on l'a dit, ça fait 10 ans qu'on le voit. Ça. Mais ça aussi, c'est un des secrets de Valverde. Il est le premier à avoir réussi à, comme avait fait un peu Zidane avec Ronaldo, à lui dire de temps en temps, repose-toi un petit peu, tu sors à la 60e. Il a des matchs qu'il n'a même pas joué du tout. Typiquement, le week-end dernier, ils ont joué avec une équipe, même pas B, mais une équipe C. Quoi. Ils ont perdu, et puis là, ils vont tous revenir. J'espère quand même un but rapide de Liverpool au match aller, pour un peu... adoucir le 3-0 de l'aller. Puis après, c'est vrai que s'il y a un match qui commence à 1-0 avec le British Spirit, je pense que Liverpool, il ne faut pas encore les enterrer. Mais... Moi, je pense que si Salah, elle a quand même, ça a peut-être la balle de la qualification. Il jouera pas. Oui, mais je dis, sur le match aller, cette occasion qui tombe direct derrière le 3-0, il y a déjà Rakitic qui saute sur la ligne. Bon, OK, son mauvais pied sur le pied droit, mais à 6 mètres des goals, un type de ce niveau, il n'a pas le droit de rater, tout simplement. Shaqiri, il a encore un rôle à jouer offensivement cette fin de saison. On a vu ce qu'il a fait en championnat. Moi, je pense que oui. Moi, j'aimerais bien. Il serait éligible, selon vous, en backup. C'est un pion du dispositif, du groupe de clubs, donc oui, bien sûr. Bon, Liverpool, comeback possible. Je vais m'adresser à... Vous vous souvenez d'une certaine finale? Contre Milan. 2005, Istanbul. Ouais, 2005, sûr, 3-0 pour Milan, à la fin, victoire de Liverpool au penalty. Oui, merci. C'est faisable, ça? Alors, j'aimerais bien, comme Alain, j'aimerais bien un 2-0 à la pause pour Liverpool, pour le spectacle, parce que c'est la Champions League, et puis qu'on a vu ces dernières saisons des renversements, mais hallucinants. Et puis je trouve qu'on est sur la bonne voie pour avoir ce genre de scénario. Mais au fond de moi, j'y crois pas vraiment. Je vois le Barça trop Barcelone trop à l'extérieur, fort. C'est et pas le même non plus. Hein. Oui, mais sans Firmino, sans Salah, il manque quelque chose dans ce Liverpool. Shaqiri. Vous aurez remarqué que sur les deux premiers matchs aller, c'est l'équipe qui a eu le moins de possession de balle qui s'est imposée. Ça veut dire que cette statistique, elle ne sert plus à grand-chose dans l'analyse. Il y a des équipes qui ont gagné la Coupe du Monde avec ce genre de stade. On n'a pas l'habitude avec Barcelone. Je crois que c'est 48%, c'est ce que je voulais dire. 48% je crois que c'est la première fois que Barcelone à la maison est négatif dans la possession de la balle et de le nombre de passes. Ça veut dire que Liverpool a vraiment fait un grand match. C'est vraiment une preuve. Ben voilà, ben on attendra de voir ce qu'il se passe. 3-0, remontada. Non, c'est plutôt une affaire parisienne, ça. On verra, la suite et ce sera demain mardi en direct sur Téléclub. Allez, Ajax, Tottenham. On va quand même rappeler que dans son histoire européenne, l'Ajax est qualifié 25 fois sur 27 après avoir gagné à l'aller à l'extérieur. Donc tous les feux sont au vert pour l'Ajax. Ouais, sauf que ce soit en huitième et en quart, ils ont perdu leur match. Ils n'ont pas gagné match nul contre la Juve, pardon. Donc, ils ont perdu contre le Real. Je pense que ça sera moins facile que ce qu'on peut penser. Bah, le fait d'avoir éliminé le Real et la Juve, franchement, si vous vous plantez dans une situation si favorable. Mais c'est surtout le jeu qu'ils proposent. Enfin, c'est dynamique, ça va vite. Après. Ils vont peut-être se faire rattraper par l'enjeu, parce que maintenant, ils sont clairement dans la peau du favori hein, sur cette confrontation après la victoire. Mais ils nous ont tellement surpris depuis le début que... moi, c'est vraiment le fond de jeu, les mouvements qu'ils arrivent à créer pour déstabiliser, c'est vraiment... ça m'a impressionné. – Et puis en Champions League, cette année, c'est pratiquement deux buts marqués par match. Ouais. Moi, je regrette qu'ils étaient opposés à Tottenham. J'aurais préféré la vraie confrontation pour moi, ça aurait été contre Manchester City. Deux équipes qui jouent au foot, je pense, ça aurait été d'une autre qualité, dans le sens que City, il doit être fou. À ce moment-là, on aurait pu mettre la Juventus aussi dans la l'équation contre City. Non, je préfère le jeu de City que de la Juventus. Ça, c'est un avis personnel. Non, je pense que Guardiola, il doit l'avoir, travers. Tu mets 4 goals à la maison en match retour et tu te fais éliminer. En plus, en goal, on aura toujours des discussions annulées à la 93e et tout. Et je pense vraiment au niveau foot, avec deux équipes offensives qui jouent assez haut dans le terrain, je pense que ça aurait été un grand spectacle. Et ça, je le regrette.
On a vu qu'une des forces de l'Ajax, évidemment, c'est la stabilité de son contingent, mais également de son alignement. Hein. Bon, bah, du côté de l'Ajax, on a la culture la même culture offensive et d'organisation depuis des décennies. Alors que du côté de Tottenham, si je regarde les trois derniers matchs de Tottenham, Tottenham contre Manchester City à l'aller a joué en 4-2-3-1, au retour en 4-4-2 losange, et le premier match contre l'Ajax en 3-5-2. Ça fait quand même une sacrée différence. Bon, c'est peut-être dû aussi aux absences. Il y a eu Son peut-être. Qui était pas là, il y a des matchs où il y a Kane après il n'était pas là, donc peut-être c'est aussi un petit peu dû à ses absences. Ouais. Mais ce qui fait la force de l'Ajax aujourd'hui, c'est que ça fait trois matchs par exemple, que c'est exactement le même 11 de base, c'est la stabilité. Ce qui permet d'appliquer ce football total, les joueurs se... Oui, puis quand ça marche, il n'y a jamais de blessé, il n'y a jamais de suspendu, donc il y a des signes. C'est vrai que Tottenham a quelques soucis de contingent. Puis là, ce week-end, ils ont encore un match compliqué. Ils ont perdu à Bournemouth à la 91e minute. Ils ont joué à 9, hein, donc il y a encore Sang qui a pris rouge. Donc, mais avec les résultats et les défaites d'Arsenal et de Manchester United, il y a 98% de chances qu'ils soient quand même européens la saison prochaine. Donc, ils vont jouer leur coup. Là, ils n'ont absolument rien à perdre. Tout le monde dit Sang Kane. Bon, il y aura le retour de Sang. Mais je pense qu'Ajax devra se méfier, et je crois que Geoffrey avait raison, dans le sens que à la maison, ben, ils ont fait match nul et perdu. Donc c'est vrai qu'ils ont été bien meilleurs à l'extérieur. Et puis ce Tottenham, sur les contres, je les sens capables de faire un truc. Ça va pas être un match si facile qu'on veut bien le dire. On va rappeler que sur le match aller, c'est un but de Van de Beek qui a donné la victoire à l'Ajax. Retour effectivement de Heung-Min Son dans le contingent de Tottenham. Ça sera le petit plus qui manquait au match aller. C'est un joueur qui joue maintenant sans complexe. On a l'impression qu'avant, il avait l'impression de déranger un petit peu. Ah, s'il vous plaît, je suis là, je suis un joueur de foot. Et puis là, il a pris... Quand il jouait pas, c'était pas grave. Et là, maintenant, j'ai l'impression qu'il a pris une autre dimension et c'est devenu un joueur très important pour Tottenham. Puis ça ne m'étonnerait pas que d'ici une saison ou deux, il aille jouer dans un club encore un petit peu plus important. Ce qu'on craignait arrive, c'est-à-dire que les meilleurs joueurs de l'Ajax cette saison sont maintenant contactés. On ne le cache plus. Hein. Tchiek pourrait partir au Bayern. Enfin, on le voit un peu partout, Tchiek. On sait qu'il y a déjà eu des signatures de Young, notamment, qui part à Barcelone, de Ligt aussi, qui va sans doute partir peut-être aussi en Catalogne. Est-ce que c'est de nature, vous pensez, à troubler un peu cette force tranquille qu'est l'Ajax aujourd'hui? Ça n'a pas l'air. Hein. Moi, je pense pas la tête. Que c'est la philosophie, c'est d'amener ces jeunes, de travailler avec ces jeunes pour donner une bonne image du football hollandais. Comme si on en avait une mauvaise depuis. Non, ils en ont quand même un peu besoin avec les mauvais justement résultats avec de l'équipe nationale. Exactement, d'accord. Ça redore un peu le blason. Et c'est vraiment... Enfin, de voir partir ces jeunes, de les voir avec cette qualité-là, cette Ligue des Champions, de les voir après dans les plus grands clubs, je pense que c'est aussi une fierté pour le club. Pour conclure un peu sur le sujet... À entendre quand même la plupart des pronostiqueurs, à regarder les bookmakers, on s'avance quand même vers une finale entre Barcelone et Ajax. Je regarde encore un peu plus loin. Est-ce que l'Ajax peut être l'équipe 2019 championne? Oui. Ouais, alors... Faites-moi rêver. Il n'y a que quatre équipes. Hein. Non, mais dans cette rédaction, j'étais le seul au début de la saison à défendre le football des Pays-Bas. Alors faites-moi plaisir maintenant. Moi, je crois que déjà, il y a un truc qui me dérange un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont découvert l'Ajax à partir des huitièmes de finale. Nous, on a suivi l'Ajax déjà pendant les play-offs. L'Ajax vient de loin, hein, c'était au mois de juillet, le début de la campagne européenne de l'Ajax. Et puis... tout à coup, il y a des gens qui se découvrent, ah, cette équipe, elle est extraordinaire. Bon, fréquent de sortir la Juve et le Real. Et le Real, tout à fait. Mais même le Bayern, Benfica en phase de groupe, l'AEK, enfin, ils ont pas perdu en phase de groupe, ils ont tenu tête au Bayern, ils ont tenu tête à Benfica. Une seule défaite contre le Real à la maison. Après, moi, j'avoue que je suis quand même un petit peu... pas un petit peu, je suis superstitieux, je crois pas mal à ces petits coups de pouce du destin. Et je me souviens que la dernière fois que le Barça a passé les quarts de finale en 2015, ils sont allés au bout. 2015, ils font le triplé, ils ont affronté la Juve qui pouvait aussi faire le triplé. Là, on est un petit peu dans la même configuration. L'Ajax peut faire le triplé, le Barça aussi. Et puis l'Ajax est l'outsider. Puis sur l'expérience, je vois plutôt le Barça gagner. Voilà. Ben voilà, ce sera le mot de la fin. On va en rester là pour ces demi-finales retour à partir de demain et mercredi en direct sur Téléclub, vous le savez. Match à suivre à partir de 20h30 et puis encore du grand et beau football, ce sera jeudi. Voici le programme.
UEFA Europa League vous est présenté par la nouvelle Kia Ceed. Kia, the power to surprise. Et ça va être chaud là aussi au niveau de l'Europa League. Ça pourrait même être l'année des clubs britanniques. Pourquoi pas ? Ah ben voilà, vous l'avez entendu. On va rentrer dans le temps additionnel de cette émission. On a 6 minutes, me dit-on, de temps additionnel. Eh ben, on va en profiter pour vous dire que, ben, vous savez, on arrive en fin de saison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a cette année des joueurs de qualité qui sont sans contrat à partir du mois de juin. J'ai compilé 11 joueurs qui sont donc gratuits, qui pourraient faire le bonheur et technique et financier de quelques grosses organisations. Voici mon 11 des sans-emploi. Messieurs, sur quel joueur vous précipiteriez-vous pour renforcer votre équipe ? Alors, je dois préciser que je n'ai pas trouvé de gardien suffisamment coté pour le faire figurer dans cette équipe type. Donc, comme je suis moi-même un ancien portier et que je cherche un dernier gros contrat, bah, je me permets de tenter ma chance. Voilà. Allez, on va rester quand même un petit peu plus sérieux, entre joueurs de qualité et personnalité plutôt forte. Si vous deviez faire vos courses, Geoffrey Tréhant, quel est le joueur qui vous tente le plus ? Sans hésitation, Giroud. Parce que c'est... À part mettre des beignes... c'est un joueur, je dirais presque indispensable dans une équipe. Un joueur qui va au charbon et puis qui a quand même la qualité pour mettre des buts. Il est le meilleur buteur de l'Europa League cette année. Il a été souvent décrié, critiqué, et pourtant il est toujours là, il bosse, et ça c'est de l'or pour une équipe. Alain Rochat, vous aimez les joueurs de caractère ? Oui, et c'est pourquoi j'ai fait mon choix sur Godin. Ah voilà. Je pense que pour une équipe qui chercherait à renforcer un peu le secteur défensif pour amener ce caractère, cette grinta, il pourrait stabiliser et faire du bien à tout un club. Il ira à l'Inter la saison prochaine. Déjà signé. Ouais. Mais non. Déjà signé. Déjà signé. Bon, ben voilà. Ça en a pris une belle. Bon, ben tant pis pour Godin, on trouvera un autre joueur. Remarquez, il y a d'autres joueurs hein, qui pourraient figurer dans ce 11. Hein. Il y a Ribéry, Mata, Ben Arfa, Valencia. Enfin, il y a encore toute une palette de joueurs sans contrat. Il y a quand même de très, très bons joueurs. Gabé ? Si je voulais, comme entraîneur, me mettre en difficulté, je prendrais Balotelli, mais ça, on est bien d'accord, mais ce n'est pas le but. Non, je trouve qu'il y a beaucoup de trentenaires. Bon, il aime bien Giroud, moi, je suis moins convaincu, ce n'est pas ma tasse de thé. Robben, il est au bout du rouleau. Milner, gentiment. Ribéry, Louis, compagnie. Allez-vous empêcher Ribéry de partir en Chine ? Non, moi. Bon, Ducaro, il est pas mal. Moi. Il plonge pas à gauche, mais il est pas mal. Je miserais pour lui redonner une chance parce qu'il a disparu. C'est pas sa faute, c'est la faute de sa maman. Moi, je prendrais Rabiot. Ah ouais. Allez, Daniel. Moi, je prendrais Mildin. C'est un mix entre Milner et Godin. Même caractéristiques, joueurs qui vont sur la force, la puissance et l'enthousiasme. J'aime beaucoup. Ben voilà, donc ce sont des joueurs qui vont changer peut-être, entre guillemets, de crémerie pour la saison prochaine. En tout cas, on suivra ça avec beaucoup d'attention durant ces prochaines semaines. On va changer de sujet complètement. Tout le monde s'attend, on l'a dit tout à l'heure, à la promotion en Raiffeisen Super League du Servette FC. Ce sera donc peut-être vendredi déjà. Images des clubs qui ont été remises au goût du jour par un compte Twitter qui a été créé il y a quelques jours. Regardez, écoutez. Wer wird zufällig? Nobody believe me! I did! Thank you! Bon, vous l'avez reconnu, hein. C'était Majid Pichard lors de la promotion de Servette en 2011. Le 1er mars 2012, à la suite de nombreux retards de paiement, Majid Pichard cède à la dernière minute ses actions pour un franc symbolique à Yukenek. Alors Geoffrey, évidemment je suis obligé de me tourner aussi vers vous, il y a eu Pichard, il y a eu Yukenek, ça paraît quand même un petit peu plus sûr avec Didier Fischer aujourd'hui. Oh, de loin. De très loin. Là, la vidéo, on dirait que c'est presque un montage aujourd'hui, quelques années après. Mais non, aujourd'hui là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les épaules, elles sont plus solides. Et puis, les pieds, ils sont sur terre. Et il y a une vraie une organisation qui se met en place. Voilà, il n'y a absolument rien à voir avec, avec la dernière promotion. Vous pensez qu'un Servette en Raiffeisen Super League se donnera peut-être un petit peu plus de moyens que le Xamax en Raiffeisen Super League ? Après c'est toujours compliqué, c'est une étape importante à franchir. Il y a de la qualité de cette année qu'il faut garder. Il y a forcément des choses à améliorer. La catégorie, elle change, elle est supérieure. Maintenant, je pense que ça fait déjà un petit moment qu'ils travaillent dessus. Et puis moi, j'espère, en tout cas, en tant que encore un tout petit peu quand même servetien, j'espère qu'on aura une belle équipe. Parce que c'est l'équipe que vous avez le plus fréquentée, hein, ah oui, plus de 160 matchs, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. C'était votre club.
Carouge. On dirait que. Carouge aussi, oui. On dirait qu'après la carrière, j'irai plus souvent dans les. Vous êtes Neuchâtelois, vous êtes Genevois, vous êtes Valaisan. On vous considère comme. Dans ma famille, je suis Savoyard, toujours. Allez, un dernier tweet qui a été diffusé par le FC Bâle la semaine passée. Un tweet qui rappelle simplement qu'il y a 25 ans, le club rhénan rejoignait ce qui s'appelait encore la Ligue nationale A. Promotion suite à un match nul 1-1 face à Étoile Carouge. Et rappelez-vous qui entraînait le FC Bâle à l'époque. Didier André. Bah oui, c'était un certain Didier André qu'on voit ici en photo. Bah justement, Gabet. Incollable. Mais Gabet, Didier André et vous, finalement, vous avez une trajectoire un petit peu identique. Hein. Il a joué en Suisse et en France, vous aussi. Il a entraîné, comme vous, notamment Bulle, Renan et Sion avant de partir en Afrique. Vous, après votre départ, pas vraiment volontaire de Sion, on va quand même le dire, hein, vous avez entraîné. Comme les autres. Malais, Le Mans, Azzurri, Forward ou encore Bursin, Rolbérois. Oui. L'étranger, ça vous a jamais tenté ? Bon, non, mais à l'époque, vous savez, le produit suisse, il se vendait difficilement. Le premier vraiment qui est parti. Donc c'est l'étranger qui n'était pas tenté par Gabet Chapuis. Non, mais déjà, au niveau. Quand j'étais joueur, donc à l'étranger, c'était difficile. Il y a pas l'arrêt de Bosman où il y a la totale liberté. J'étais un des premiers, un des pionniers qui était parti à l'étranger. Il a fallu attendre la génération de mon fils où les portes se sont ouvertes aussi avec quand même une meilleure qualité nationale. Et puis voilà, bon, mais. Non, ça ne sert pas. Didier André, là, je m'en souviens. Parce que Bâle avait coulé en 1988. Ils ont mis 6 ans pour remonter. Donc, c'est peut-être encourageant pour Lausanne s'ils doivent encore attendre une année. Ouais, puis c'est surtout pour Servette. C'est tellement difficile d'accéder quand on a ce championnat à 10 équipes qu'une fois qu'on y est, il faudrait essayer de faire le maximum pour y rester parce que ça peut prendre du temps de revenir. Ben voilà, vous avez entendu le coup de sifflet. Malheureusement, on va déjà devoir se quitter. Merci de votre participation, messieurs. Une très grosse semaine en perspective hein, sur Téléclub Zoom ce soir à 20h20 pour commencer la Serie A avec le match entre Milan et Bologne. Et puis surtout vendredi, le derby en direct du stade de la Praille, du stade de Genève entre Servette et le Lausanne Sport. Tous les moyens hein, seront d'ailleurs du côté du stade de Genève pour vivre de l'intérieur cet événement. Et puis gros moyens déployés également pour le championnat du monde de hockey sur glace qui débutera aussi vendredi. Une bonne cinquantaine de matchs d'ailleurs vous seront proposés en direct sur Téléclub et Téléclub Zoom. Et bien ce soir c'était Philippe Macherel et Sylvain Mangold qui étaient aux commandes de cette émission. Rendez-vous lundi prochain avec Elodie Croza pour une nouvelle édition de Match après Match. Merci messieurs, bon retour chez vous. Quant à vous, excellente fin de journée à toutes et à tous et à bientôt. Bye bye.